Et yo tout le monde, c'est Tiob. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Civilization 5 dans lequel nous jouons Venise. Alors, on s'était mis en route pour l'Angleterre. Ah! Un marchand illustre. On va l'emmener à Riga. C'est à côté, mais il met du temps, mine de rien, il y a bien. Hop! Ouais, direction Tokyo, impeccable. Petite doctrine, je prends. Oui, non, pas ça. Ça me sert pas à grand chose toute cette partie là. Je vais faire ça. De toute façon, je m'en sers beaucoup. Transport aérien. Ah oui, je vais l'envoyer à... en Mercy. Ah, je peux l'envoyer que là où il y a... un aéroport. C'est pas grave, je vais l'envoyer à pied. Et son but, ça va être de prendre des cases par là. On va lui piquer toutes ces cases à lui. Là, celui-là, on lui piquerait 3. Là, celui-là, on piquerait 3. Ce serait bien si j'arrivais à y prendre cette case là, mais je pense pas. Celle là je pourrais, mais il n'y en a pas. Ouais. Le mieux ce serait celle là. 1, 2, 3 cases. En nombre de cases, hein, je parle même. Est-ce que je peux acheter des cases? Je peux même pas acheter des cases. Triste. J'aurais bien aimé lui en piquer plus. Non, lui, on a déjà pris pas mal. Hein. Ouais. Alors, voyons voir. On a un nouvel inquisiteur, ça c'est très bien. Pour l'envoyer en Angleterre. C'est où? C'est ici. Sur Londres, parce que c'est une ville sainte. Et qui dit ville sainte dit retirer les religions, bien évidemment, faut pas déconner. Waouh, il y a du babylonien ici. Hein. Et ils ont le temps de se refaire une petite santé. Hein. C'est vrai que depuis le temps qu'on les a tapés. Bon. Après, dans tous les cas, ce sont vraiment pas une menace. Hein. Allié à 408 points. Je vais l'emmener ici. Il va se rapprocher, le inquisiteur. Et un navire de ligne. Là, tu vois tous arriver, comment tu réagis? Moi, personnellement, mal. Je réagis pas super. Oh la vache, ah, c'est très le malheur, comme on dit. Ah, ça y est. Il s'est dit, ça pue un peu, on va ramener du monde. Notre team gamme 110, 109 de défense. Hein. La vache. Je sais pas ce qu'il y a sur cette ville, mais... Elle est bien protégée. Où on en est avec... Ah, c'est fini, les jeux internationaux. Normalement, on a gagné, mais... Ah, mine de rien. Il y en a qui ont produit beaucoup. Je sais pas qui, parce que bon... On est quand même cassé pas mal des nations. Je voudrais voir à 130 de défense. Je n'ai pas fait gaffe. 130. Incroyable.
vrai qu'il faudrait que j'aille prendre ça aussi. Ah ouais, la Chine et l'Angleterre qui ont bien travaillé aussi. Les barbares, on s'en fout. Excusez-moi. Adopter la doctrine maintenant. Tradition militaire. Ouais, là forcément. J'ai rien. Bon, bah, des archéologues. Hein. Je pourrais faire des bateaux ateliers aussi. Pas de suite. Ouais, encore un cadeau ça là. Aurait vraiment plus d'endroits avec des constructions pour le bonheur. Plus de. Deux, quatre. Six. Huit. Dix. Je vais devoir les aider au niveau de la, production. Tiens, 12. Parce que c'est vraiment pas ça. Hein. J'ai oublié de compter, c'est pas grave. J'ai plus d'argent. Ça c'est fait. Au moins. La question ne se pose plus. Allez. Direction Nottingham. Mais s'il vous plaît, une grosse erreur. Je crois. Alors, qui c'est qui fait une erreur hein? Qui c'est qui? Qui est-ce qui plutôt? Allez, on va se rapprocher. Défensive. Tiens, on va aller choper cette unité. Oh, moins 95. Il a réussi à tenir, bien joué à lui. Bismarck? Si tu veux. Mais je ferai la paix avec lui rapidement parce que. On a plus rien quoi. Alors je comprends il t'a défoncé, je suis pas content. Bon. Ah, oula. Alors même si t'as un navire à vapeur et que ça marque on n'a que des corsaires. 4 corsaires. Tu risques de passer un mauvais quart d'heure toi. Là. Est-ce qu'ils vont lui voler? Ah même pas, pas de chance. Bon, au cas où j'étais là de façon pour l'aider avec un sous-marin. Ma unité de Sidon. Voilà, il est tranquille. Et ouais. Ils ont un peu de retard technologiquement. Ou alors ils ont pas d'avance. Ah même ils ont du retard parce qu'il me semble que les cités-états produisent en fonction du joueur le plus avancé, non? C'est bien de bêtises. Quatre, cinq, six, oui, tout le monde est là.
J'ai nos places, ouais, 4. Ils sont résistants quand même, hein. Ils sont vraiment bien costauds. Bien costauds, bah ils sont costauds, enfin voilà. Hop, j'irai prendre la ville avec ce cuirasse à vapeur. Ah oui, idéologie mondiale, c'est vrai. Résistance civile. Dissidente, tu m'étonnes. Vague révolutionnaire. Ouf. Ouh, bah l'Allemagne dit. Moins 24. Wow. Pour l'autocratie et pour l'égalité. Madrid, oui. Et voilà. Oui. Il est enthousiaste, tu m'étonnes. Tu sais qu'on pourrait faire une petite partie avec le Japon. Ah oui, mais j'ai fait avec Venise juste par la flemme de jouer. De jouer les villes. Putain, là, j'ai pas à m'en charger là, je suis plutôt bien. Oh, vas-y. Fais ta vie. Grandis, fais ta vie. Le Banda Congo est à la recherche d'investisseurs. L'unité d'Almaty, ouais, forcément ils m'en donnent plein. La cuirasse à vapeur, ouais, mais on va prendre la ville, donc on va lui prendre son cuirasse à vapeur. Enfin, il va être détruit, quoi. C'est ballot. Babylone? Ah, détruire. Ça c'est bien ça. Hop là, on prend le Singam. Bon, on va lui couler quelques cuirassés à vapeur là. Eh ouais, ça rigole pas. Hein. Ah, il était plus près que prévu, lui. On va lui prendre quand même. Voilà. Il a beau voir ses navires de ligne. Il y a trop de retard technologique pour m'embêter. Ok. Cette unité. Oh! Salut, salut! Voilà, tant pis, voilà, ça fait du bien. Ouais. 29. Oh, lui aussi, il peut prendre des transports aériens. Oh, ça, c'est bien. Oh, ce sera bon plus tard, ça. Allez, direction, enfin, ça sert à rien, non. Ah bah si, là-bas, allez hop. L'ex-Espagne, l'exil ibérique, ah, j'ai du malheur. Tu m'étonnes, avec tous les habitants là que j'ai récupérés de Nottingham, même si bon, la majorité s'est barrée. Ça, c'est une petite île, hein. Moins 31, mine de rien, ces navires de ligne. Ah ouais.
Ah, c'est costaud. Il faudrait au moins que je gagne un de bonheur pour pas avoir les malus, malus de combat. Voir si on peut faire quelque chose de ses vies. Mannerie, etc. Ils ont pas l'air plus chaud que ça pour faire du bonheur. Allez, caserne. Ça fait 2. 4. Allez, son navire de ligne, ciao ciao. Toi, oula, répare-toi parce que t'as pris tarif. Ah, voilà. On va s'approcher tranquillou pour aller recouler. Enfin, couler plutôt. On va dire. Ah oui. Ah lui il a de l'espoir quand même. Hein. C'est pas lui. C'est la tour, je pense. Hop, on achète Riga. Ça m'a donné du malheur. Eh merde. Allez, caserne. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, c'est pas ça non plus. C'est bon. Voilà. La dépense inutile, allez. Bah oui, direction, on va l'amener à Nottingham. Bah lui il fait sortir son unité de cavalerie. Pourquoi pas? Unité de militaire pas près de mon territoire. Ouais, c'est un marchand, c'est bon. Pas non plus un tyran. Bon, un peu quand même. Mais pas envers mon peuple. Pour ceux qui aiment jouer avec les fusées, voici une règle simple à suivre. Toujours partir du principe qu'elles vont exploser. Ah, Elon Musk. Non, non, plutôt que dire des trucs sur la réforme des retraites qui ne concerne pas, plutôt un peu de tes fusées. Hein. Bref. Voilà, on va casser ça. Allez, oh, les 0 dégâts par contre, ça. Soigner, mobilité. Ah, j'ai déjà mobilité. Ah la vache. Ah oui, mais non, c'est le grand phare, ouais. C'est bon, je peux l'éliminer aussi. Là, c'est XP mieux en plus, normalement, non? Moi, je me trompe. Encore une unité comme ça? Ah ouais, non, mais ouais, non mais c'est bon, c'est le marchand illustre, laissez-le tranquille. Automatique. Ah bah oui, je peux améliorer mon artillerie, etc. On se roquette. Ouais. Qui se... Ah! Bah oui, c'était les unités de Riga.
Bref, ici. Si j'aurais le temps de prendre cette ville là. Elles sont vraiment costauds en plus. Bon, il avait pas mal d'unités surtout. C'est vrai que j'ai perdu pas mal de tours entre guillemets à détruire ces unités. Oh, on a les destroyers dans 8 tours. Bon, sûrement l'épisode prochain. Effectivement, les tours sont un peu longs. Même plutôt très longs. Allez, c'était état, mettre vachement de temps à jouer. Hop, on va améliorer la frégate en cuirassée. Et là, en veux-tu, en voilà. Mince. Je crois qu'eux, ils peuvent tirer de plus loin. Express. C'est pour ça que je les ai foutus derrière, de base, attends. Ça a marché ? Ah bah c'est bon. Hop, on va prendre Londres. Bah voilà. La cavalerie allait chercher encore. On fait la ville fantoche. Est-ce que j'ai la portée ? J'ai pas la portée. On repose dans du marbre, on s'en fout. Ah, ça devient lourd, ça, par contre. Leurs unités à dire ah oui ce machin non non oh ouais programme Apollo est-ce que j'ai moyen de l'accélérer non pas que ça me serve mais je préfère faire des ah des architectes des oh, des architectes ah des architectes non pas du tout des ah, Indiana Jones, c'est quoi là? Un archéologue, merci. Je voulais pas cliquer dessus, je voulais faire fonctionner ma mémoire. Hein. Non, ça va, ça va, ça va, Imhotep. C'est pas Imhotep. Vas-y, il va me faire perdre un ombrier, ce salaud. Va t'occuper des Japonais, je sais pas. Ah. C'est Bucarest. Au moins il se passe des trucs là-bas, non même pas, il fait rien, c'est ça le pire. Il ne fait vraiment rien, c'est genre... Ah! Un tour avant la prochaine session du Congrès mondial. Ok. Oh, il y a de l'ouvrier là. Oh, du vin. Yay! Ah, il y a une unité qui a dû partir par là-bas. Ouais, va là toi et évite de te faire casser la binette. Par contre, on va essayer d'intercepter ceux qui nous embêtent là. Il n'y avait pas une petite unité. Bon bah ce sera lui. C'est pas lui que je cherchais mais bon. Un plus. Oh non, terrible. Pas grave. Terrible mais pas grave. Alors, on va s'approcher tranquillement. Ah bah une Gatling. On l'a coulé. Là je suis à portée de la ville si je me mets là, donc c'est pas bon. Là je vais pouvoir me mettre ici et lui il va pouvoir
mettre là. Ah, mais c'est bon ça. On a porté. Allez, rapproche-toi. Renommer les délégués, idéologie mondiale, autocratie. J'espère que savant résident ne passera pas, mais je peux pas lui dire non comme ça. Vu que c'est mon allié, il le prendrait mal. Il risque de retourner sa veste. Ce qu'il peut faire d'un instant à l'autre, on va pas. On va être honnête. Il est ami, mais je sais pas encore combien de temps. Non. Non, je vais te prendre une ville avant. Je vais prendre York avant. Oui, c'est ça, York. Et ensuite, tu pourras me donner Pataliputra. Et je te laisserai Agra. Je suis gentil en plus, il y a des sites antiques. Quelques collines, un peu de poisson, t'as déjà un phare. T'as un colisée aussi, je vois sur la ville. Franchement, non, même du mouton et tout. Tu vas pouvoir faire des kebabs. Franchement, de quoi tu te plains? T'as un kebab. T'as des kebabs sur pattes. C'est trop bien, regarde, moi, dans ce que je t'ai pris, t'as même pas de kebab. Franchement, je te laisse le meilleur. L'argent, non mais l'argent. Tout de suite, l'argent. C'est un détail. Le pétrole aussi, c'est un détail. C'est pas parce que je t'ai pris 3000 d'argent que ça vaut plus que du mouton. Un petit élevage de poules, un petit troupeau de moutons. Non, faut pas voir ça tout de suite. Ah merde, ça a été adopté, fait chier. On va me rattraper. Je vais essayer de la retirer, cette. Très ambitieux. On va faire une huile fantoche. Non plus. Vas-y. C'est quoi? Toujours avoir plus de voix. Ah, c'est nul, je vais pas la porter. Avec lui, j'ai. Hein. Alors là par contre si j'ai d'ici c'est pas normal. ouais d'accord. Allez on va le couler lui. On va se rapprocher. On va les faire guérir. Quand même. Pas déconner. Pas trop le choix que de faire ça ici. Hop, merci pour les cases. Merci pour le territoire. Non, mon but c'est de rien te laisser. Ou alors les cases de mer parce que ça va être plus difficile à prendre. Et encore un minimum. Révolution. C'est révolté, a poussé le dirigeant à adopter l'idéologie autocratie. Oh c'est ballot ça. Oh bah on est autocratique, hein. Autocratique comme ça maintenant. Oh! C'est. Quel dommage! Oh là là! Peut-être qu'on va s'entendre un peu mieux maintenant. Qui sait? J'ai un malentendu. On est avec du rouge. Maintenant, on est autocratique aussi. Voilà. Avec Boadicée, tu n'as plus rien, Boadicée. Tu te rends compte de ta connerie? Ah mais si, mais pourquoi ils se battent les deux là? Oh, il y a dû avoir un bug là, les deux ils sont en train de se battre. Hein. C'est pas bien grave. Colisée, stade. Ah voilà, ils ont compris ce qu'il fallait faire.
Hop là, bonjour, bonjour, j'arrive. On va rester dans les eaux profondes pour pas se faire voir quand même. Alors, il n'y avait pas quelqu'un dans le coin là? Je me trompais d'endroit. Là-dedans. Ouais, bon, c'est pas grave. Quoi? C'est quoi ton. Bah voilà alors. Oh, j'ai des corsaires. Attends, je peux avoir mieux que des corsaires quand même. Pocatello? Ok, Pocatello. Pocatello. Oh la vache! Vas-y, on se lui en fait un paquet lui. Hein. Lui, il rigole pas niveau aviation, la vache. Pire. L'Allemagne est là. Genghis Khan. Écoute, Genghis Khan, j'ai voulu te laisser tranquille. Je vois que tu vas embêter mes amis, j'ai pas pris ta capitale, et eh ben on va te raser. Hein. Non, au bout d'un moment, faut pas déconner. Hein. Donc on va emmener là nos troupes, on va emmener nos deux cuirassés là. On va prendre ta ville en un tour. Non, c'est pas ça? Surtout quand on est vraiment aux portes de la ville. Hein. Là, voilà, c'est pour être... On peut pas être beaucoup plus aux portes de la ville. Chez moi, je suis. Enfin, aux portes de la ville, je suis chez moi. Hein, donc. Hop, allez. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Ah oui, et si, toi, tu vas là aussi. Est-ce que je vais pouvoir prendre. Ça comme il faut pas. Est-ce que ce sera ce tour-là ou le tour prochain? Ça dépend de lui. Est-ce que ce sera ce tour-là? Eh bien le bonjour. Libérer? Non, faire une ville fantoche, faut pas déconner. Hop, on va couler ça et on va lui dire maintenant on fait la paix, toi. Would you Il be n'y a plus d'autre interested in a ville. trade agreement with England? Enthousiaste! Ah bon? Certainly. Ah bon? Comment ça, enthousiaste? Ah, c'est original ça. Allez, on va finir là-dessus pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain. Pour faire quoi? Je ne sais pas. Ah bah si. Pour prendre la capitale mongole. De toute façon, il ne reste plus que ça. Dernière ville des Mongols. Qui est allé attaquer le japonais, notre copain. Je vous dis à la prochaine. C'était Tiob.